Quelle chose? Toute nouvelle vidéo, ça. On se plus en détail. Voyant dans l'état, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même d'être encore en difficulté champion. Enfin, et qu'en fait, on est close to, mais en fait, je me suis rendu compte que non. À la fin de la saison dernière, on est passé avec une fausse manip de ma. Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Viens te protéger. Allez, plus que 5 km pour les hommes de tête. En plus de s'offrir une victoire de prestige, le vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez empochera aussi 20 points supplémentaires pour le classement de la montagne. Ça marche, les relayés forts. Attaquer. OK, j'ai relayé. Ça ferait 4 victoires, vous imaginez. Il ne reste plus que 2 km à parcourir pour les hommes de tête. On se dirige vers un sprint maintenant. On est en train de creuser des écarts au général et ça c'est un peu Schultz. À un moment, j'avais donné par erreur le rap. Ça marche, je ravitaille. Les hommes de tête passent maintenant sous la flamme rouge. Ils vont donc devoir se départager au sprint. Tu vas la voir cette victoire à l'Alpe d'Huez. Démon à l'Alpe, c'est quand même pas mal. Allez, on va terminer l'étape ici.
Avec les attaques qu'on a mis, limite Catania revient bien en général parce qu'il était à 1,30 après sa chute. Ouais, 2,30, je sais plus. Schultz, le jaune pour Schultz, le maillot vert pour Milan, le maillot blanc pour rouge pour Cataneo, le bleu pour Milan. Le blanc. Mais au pire, c'est pas très. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Un néo-zélandais, c'est un australien. 28 minutes et 38 en 12h06 minutes et 58 secondes, c'est Nick Schultz, l'Australien de la cyclisme 3D team de notre équipe. Il est général Cataneo. Est-ce qu'il joue pas le. C'est une question que je laisse entrevoir. Je me... Ah ils n'ont pas les chercher, je pense pas que 50. C'est la dernière étape les gars. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape. Romain Grégoire qui est. Dans le. Les hommes de tête. L'échappée, il y avait des. J'ai fait. Nous venons de passer la borne des 10 km et c'est l'échappée qui ouvre la route. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Non, avec Nick Schultz, on le prend. On signale 1 minute 30 en faveur des hommes de tête par rapport aux favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Ok, viens te protéger.
lâché. Ne comptez plus sur lui. Ok, viens te protéger. L'échappé est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Une attaque. On doit réagir, il est dangereux. Attaque! Faut réagir tout de suite, c'est à nous d'aller le chercher! Une attaque! On doit réagir, il est dangereux! Attaque! Faut réagir tout de suite, c'est à nous d'aller le chercher! Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. À moins de 3 km de l'arrivée maintenant. Rien ne semble encore acquis pour l'homme de tête. Il est toujours sous la menace d'un retour de ses poursuivants. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. La flamme rouge est en vue pour l'avant de la course.
peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Plus les vents. -20 pour cet Open Tour. Ça ferait la 13e victoire de la saison pour notre équipe. Mais c'était plus que chaud aujourd'hui, encore une fois. On a su s'accrocher quand même au mental hein, à la fin de Nick Schultz. Hein, après, on a vu que l'écart nous permettait de remporter encore le général. Même si, mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. En difficulté, c'est pour ça qu'on a tout explosé cette saison. Bon, on porte le général quand même, le maillot vert, le... Super les gars, je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium, bravo à vous. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel les gars. Voilà, je dis bravo, bravo, bravo les gars. Le Ultimate. J'espère que cette vidéo vous a plu.